péché, de justice et de jugement. Et sans qu'il n'y ait dans la vie, ça va être un dimanche, ça va être une réclamation pour nous. Alléluia. Parce qu'on l'a dit, on n'a pas dit. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Il n'y aura pas. Donc si on reste sur la base, moi les écritures disent, montrez là où on avait dit. Non. Nous savons que quand tu fais ce geste-là, c'est mauvais. Le Saint nous dit que c'est mauvais. Alléluia. Amen. Donc tous ceux qui sont dans le péché et aussi le peuple Israël, ils vont rester. Et bien il y a une carte de son qui a dit qu'il va rester. Et le monde va rentrer dans le temps de la grande tribulation. Et il y a un moment où il y a une. Ça dit les souffrances que le monde n'a jamais vécues. La grande tribulation. Il y a quelle passe. Les démons auront la liberté de nous d'agir. Et la paix même que va la mousse ou ça la moutine dans le plus qu'en ce moment-ci. Et que l'outil dans la terre. Et c'est alors que nous avons déjà expliqué que la grande tribulation va se passer pendant 7 ans. Il y a quelques membres pour salam en foule à sa mouche. Il y aura des gens qui vont mourir. Et il y a la bâtir au foie. La vie déclare que le tiers de la terre. Et bien tu vas des hommes. Non, il y a la bâtir dans la tête encore quelques fois. Donc on voit 1 milliard de personnes qui meurent. Et moutine n'a pas battu 1000 quelques fois. Attention. C'est la quête, chers frères et sœurs. Et pendant la grande tribulation, le docteur avait déjà expliqué les 3 ans et demi de la première partie. Il y aura aussi les deux tourments qui vont prophétiser. Et il n'a qu'elle magistrat qui vous pique là. Mais au milieu de la grande tribulation, l'antichrist, c'est celui qu'on appelle la bête. Et l'antichrist n'y a pas de la bête. La bête. Il n'a qu'elle qui boule. Maintenant le faux prophète, c'est lui aussi qui va travailler avec la bête. L'antichrist va travailler dans la modernisation, dans la modernité. Pendant que le faux prophète va travailler dans les faux miracles, les miracles mensongers. Il y a des miracles mensongers. Et là, ça va appeler quand quelqu'un va voir par exemple consulter une personne qui fait des pratiques. Il arrive par exemple à moi. Je suis malade, j'ai mal au pied. Le devin là où l'astrologue là où la personne qui fait des pratiques là, il va prendre peut-être des feux. Il va prendre peut-être une tisane. Il va faire ses pratiques. Il va mettre là. Quelques temps après, la personne se sent soulagée. Alléluia. Mais la personne ignore que les choses qu'il a frottées, les choses qu'il a mis là, la personne ne peut pas s'imaginer que c'est un miracle mensonger. Et montre que ça va faire la Bible, elle met tout le nez, elle m'a ouvert le goût. La personne se contente seulement du mal apparemment qui est abusé. Montre que la soukaka n'a pas une banane. Cette personne qui fait ces pratiques-là travaille avec des esprits. Montre la personne là, vraiment bien, elle est salade ma paix. Est-ce qu'on se fait comprendre? Ces esprits vont entrer en action dans la vie de ce patient-là. Donc, c'est même la personne sort. Ce papa-là va me soigner. Ça, c'est ce que tu constates. Mais sur le plan spirituel, ce papa t'a livré aux démons, aux esprits qui travaillent avec lui. Vous voyez que tous les temps, malgré qu'on consulte les gens qui font des travail traditionnel, tout, les familles sont toujours dans les douleurs, les souffrances, les malheurs, la mortalité, en tout cas hospitalisation, toujours les problèmes, parce que là où ils vont voir ces charlatans-là, on leur met des démons. Je voudrais te dire, la vraie guérison, c'est par le nom de Jésus-Christ. Il n'a pas besoin de faire des grimaces. Il n'a pas besoin de dire non, je vais d'abord en brousse là-bas. Il y a un oukaya là-bas. Il y a quelqu'un qui te dit tu vois ça, il faut aller très peu le matin. La puissance de Dieu est toute puissante. Et il y a l'outil avec le monde. Lorsque personne a une situation, Dieu guérit.
Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez que même quand les gens sont devenus chrétiens, ils portent les fardeaux parce qu'ils croient encore à ces pratiques. Il existe combien de fois? Il existe combien de fois? Une seule fois. Mais beaucoup de chrétiens ont beaucoup de foi. Il croit la Bible. Il croit la parole. Mais en même temps, il croit aussi. Les autres qui ont cru en Jésus-Christ. Et bah, ils avaient vu les papas qui pèvent. Donc, le papa qui pèvent, c'est Jésus-Christ. Il ne se fatigue pas. Il ne dort pas. Il est toujours présent.